tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Frère, si tu ne sais pas encore prendre soin de toi, oublie l'amour. Oublie l'amour. Oublie l'amour. Si tu es un homme, tu veux une femme, faut travailler, deviens quelqu'un d'abord pour avoir femme. Thank you. Tant que tu n'as pas les moyens de prendre soin de toi, n'épouse personne. Ce n'est pas trop dur ça, papa. Et je vais t'expliquer. Explique-nous, oh papa. Oh. C'est normal que les femmes regardent ce que tu as avant de venir chez toi. C'est normal, c'est biblique. Ah bon? Parce que je vais te dire, le premier homme qui a eu droit à une femme n'était pas un pauvre. Toute la terre lui appartenait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai en plus. Elle est venue trouver l'homme là. Il est un jardin merveilleux. Dieu a créé, tout est là. Et puis c'est là que Dieu l'a créé. Dieu ne crée pas une femme dans la misère. Non. Dieu ne crée pas une femme dans la misère. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Je vais essayer d'en parler avec ma famille. What? Sois intelligent. What? C'est pourquoi si tu es un homme, tu veux une femme, faut travailler, deviens quelqu'un d'abord pour avoir femme. Quand tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Faut aller dire au voisin que c'est Zahui qui a dit ça. Voisin, c'est pas moi. Si tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Vous lisez la Bible, vous refusez de comprendre ce que vous lisez. Mais le monde va en cacahuète. Tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tu vas ajouter une deuxième bouche à nourrir. Tu ne t'aimes pas? Ah, peut-être s'aime-t-il. On va s'aimer jusqu'à la morgue. Si tu ne sais pas encore prendre soin de toi, oublie l'amour. Brutalement comme ça. Mets l'amour en pause. Pause préparatoire amoureuse. Deviens d'abord indépendant financièrement. Hey! Papa, s'il te plaît, que veut dire indépendant financièrement? Tu ne vis pas de papa, de maman, de tes amis. D'accord, donc tu n'es une charge pour personne d'abord. Ok. Ensuite, va dire je t'aime, je vais t'épouser. Car Dieu a d'abord créé le jardin, ensuite il a mis Ève parce que Ève devait manger. Quand on y pense même, Adam ne payait ni loyer, ni facture, eau, électricité. Jésus! Ni transport. Sans parler du wifi ou de la connexion internet. Waouh! Maintenant, toi, tu n'as pas encore ton jardin. Tu vas chercher Ève. Elle va manger quelle pomme? Il y en a qui vont dire, donc la femme ne doit rien faire. On en arrive, vous n'avez pas confiance. Oh. Frère, toi qui es dépendant socialement, oublie les choses de mariage. Va chercher le travail, va chercher l'argent, va chercher les moyens. Merci, pasteur. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un se marie sans être indépendant financièrement? Si tu épouses une femme, c'est notre charge. N'est-ce pas, monsieur? On pensait que c'était mieux, mais on voit que ça donc... Ce sera ton enfant malade. Il faut que nous, on puisse le soigner. Ce sera maintenant ton loyer. Nous, on va payer ton loyer. Nous, on va te marier. Nous, on va te se cotiser tous les jours. On va se fatiguer de toi. On va te critiquer. On va te critiquer. Forcément. Lundi, tel prend soin de toi. Mardi, un autre. Mercredi, un autre. À la fin du culte, tu es dehors là, en train de demander à gauche et à droite. Tu es devenu le mendiant de l'église. Ce n'est pas un honneur pour ta femme. Mais c'est pas moi. Le mariage, quand tu n'es pas indépendant socialement, tu vas souffrir. Ma soeur. On m'a dit que ça ne rit pas, ça ne joue pas, c'est violent. Qu'on ne vous trompe pas, que vous êtes matérialiste. Vous êtes des fleurs qui doivent être bien protégées. Salut! Arrêtez de dire que les femmes sont matérialistes. Elles ne sont pas matérialistes, elles sont réalistes. Pasteur, il y a des frères qui disent qu'ils brûlent tellement. Est-ce qu'on doit conditionner l'amour par l'argent? Est-ce que c'est normal qu'ils brûlent? Ils font non comment? Frère, si tu brûles, mets les glaçons. Oh, je brûle. Si tu brûles, il n'y a pas les moyens, frère. Glaçon. Hey! Qu'est-ce qu'ils sont célibataires? Oublie même qu'ils sont célibataires. Tu penses qu'au ciel, à Jésus, à l'enlèvement, à l'onction, aux âmes. Tu oublies les choses de mariage, frère. Tu oublies les choses de mariage, frère. Avec Épices des Chefs, assaisonnés
et relever le goût